Bonjour à tous. Dans les deux vidéos précédentes, nous avons vu d'une part les premiers principes de prosodie qui nous permettent de clarifier le message à destination de l'auditeur, à savoir la formation des syntagmes et les césures, et d'autre part les outils qui nous permettent de respirer le texte et donc de retrouver son état d'écriture primaire, à savoir le principe de la protase et de l'apodose. Ces outils sont extrêmement importants pour vous permettre de comprendre, premièrement, la pensée contenue dans chaque phrase et deuxièmement, la pulsation propre à chacune de ces phrases que vous devez retranscrire à l'oral. Il s'agira donc de décomposer le texte en vecteurs énergétiques liés à la respiration et dictés par la syntaxe. C'est ce que Michel Bernardi appelle le phrasé obligé. Obligé, mais pas obligatoire. Vous serez libre, en tant qu'interprète, de vous conformer à ce travail ou pas, selon votre sensibilité, votre objectif artistique, selon les choix du metteur en scène et les parties prises du travail de mise en scène également. Mais j'ai pour habitude de dire qu'avant de faire ce que l'on souhaite nous, il est bon d'explorer et de travailler ce que l'auteur a souhaité lui. Car il est le premier créateur du texte et nous avons, nous acteurs, une responsabilité vis-à-vis de cet auteur que nous ressuscitons en prenant en charge son texte, en le verbalisant, en l'oralisant, en l'incarnant, et une responsabilité vis-à-vis du spectateur que nous devons ébranler, que nous devons émouvoir par cette alchimie entre le texte et l'émotion qui s'en dégage lorsque nous le disons. Car l'acteur est à la fois instrument et instrumentiste. Il doit s'objectiver pour être le point de convergence entre la sensibilité de l'auteur et celle du public. Par là, bien sûr, je ne veux pas dire que l'acteur ne doit pas faire preuve de sensibilité également. Et à ce propos, je vous renvoie à la discussion que j'ai eue avec l'une de vous et que je vous ai transmise par mail le 26 avril dernier, et dans laquelle j'abordais ce sujet. Je ne veux donc pas dire que l'acteur ne doit pas faire preuve de sensibilité également. Ce que je souhaite dire, c'est que la sensibilité de l'acteur ne doit pas être mise au premier plan dès le début. Et j'insiste bien sur ce « dès le début ». Ce dont je parle, c'est une première approche du texte. C'est comment je démarre le travail de ce texte au tout début. Notre sensibilité, à nous, acteurs, a besoin de temps pour se chercher, pour se trouver, se situer et s'enrichir. Notre lien intime, notre rapport personnel au texte, ne peut surgir qu'au bout d'un processus de travail avec ce texte, plus ou moins. Pensez à ce rapport comme à une trinité. À la source, l'auteur et son texte. À destination, les spectateurs. Nous sommes au milieu. Nous sommes les récipiendaires de l'énergie créatrice de l'auteur que nous renvoyons à la sensibilité des spectateurs, et ce, quel que soit le texte. Pour appuyer ces dires, je vous renvoie à deux textes que je vous ai mis dans l'annexe 1. Un texte de Louis Jouvet, tiré de son ouvrage « Tragédie classique et théâtre au XIXe siècle », et un autre tiré du « Jeu verbal » de Michel Bernardi. Ils décrivent parfaitement ce dont je vous parle depuis la première vidéo. Je vous suggère fortement de vous procurer ces deux ouvrages dès que ce sera de nouveau possible. Avant de continuer cette vidéo, lisez ces extraits et méditez dessus. Je l'ai dit plus haut, il s'agira donc de décomposer la phrase en vecteurs énergétiques liés à la respiration et dictés par la syntaxe. Nous avons vu les premières étapes de décomposition de la phrase, syntagme, césure, protase et apodose qui sont les deux versants de la pensée en mouvement. Nous avons vu aussi que la respiration se devait de suivre cette décomposition et ses mouvements. Voyons maintenant d'autres éléments sur lesquels je vais passer plus ou moins rapidement car ils sont nombreux et qu'ils nécessitent une explication et une mise en pratique plus pertinente en réel plutôt qu'en virtuel. J'en esquisserai donc les grandes lignes et les grandes règles en attendant que nous nous retrouvions pour les travailler en séance. La syntaxe est la partie de la grammaire qui donne la connaissance des signes établis dans une langue pour exciter un sens dans l'esprit, c'est-à-dire la connaissance des signes qui donnent un sens. La syntaxe permet de connaître la fonction de chacun des éléments qui composent le discours et d'en repérer les frontières, franchissables ou non, afin d'en ordonner la structure d'ensemble. Elle sera donc essentielle pour notre compréhension des textes. J'en profite pour attirer votre attention sur la ponctuation et sur ses avantages et ses inconvénients. Il faut savoir que la ponctuation a commencé à se développer dès le XVe siècle et l'invention de l'imprimerie. Elle a été plus clairement établie et ordonnée dès le milieu du XVIe siècle, mais ce n'est vraiment qu'au XVIIIe siècle qu'un engouement s'est créé autour de l'importance que la ponctuation pouvait apporter au sens d'un énoncé.
Au XVIIe et XVIIIe siècle, le rôle premier de la ponctuation est de faciliter la lecture à voix haute. En effet, à cette époque, avant l'avènement du roman, l'essentiel de la littérature de l'époque, fables, théâtre, poèmes, etc., peut être considéré comme déclamatoire. La ponctuation, elle a donc un rôle prosodique, mais elle a aussi un rôle sémantique, distinguer les différents sens qui constituent le discours, et un rôle syntaxique, marquer les divers degrés de subordination dans l'ensemble du discours. À partir de là, malgré le renouveau d'intérêt des grammairiens pour la ponctuation, les imprimeurs n'en font bien souvent qu'à leur tête, et les éditeurs de livres tombent dans une sorte d'intégrisme de la ponctuation, ce qui les pousse même à corriger et à ponctuer avec exagération les textes passés et présents, au point qu'ils sabotèrent le sens d'origine de nombre d'entre eux. Il n'est pas rare, par exemple, de trouver de nombreuses différences selon les éditions, différences de ponctuation ou de mots, mais aussi de bouts de phrases ou de phrases entières qui n'apparaissent pas dans telle ou telle édition qui date de telle ou telle année, voire même dans l'ordonnancement et la numérotation des scènes. Il conviendra donc d'être vigilant à ne pas subordonner, d'une part, la compréhension de l'énoncé, d'autre part, la prosodie du texte, de ne pas subordonner ces deux éléments à la seule ponctuation typographique, car celle-ci peut ne pas être fiable, selon les éditions que vous avez en main. Elle pourra avoir été transformée par les éditeurs aux dépens de celle éventuelle proposée par l'auteur. Si elle peut faciliter la lecture silencieuse, elle peut aussi induire un sens erroné, voire même entrer en conflit avec la respiration propre du texte, auquel cas la priorité devra être donnée à la respiration qui demeure primordiale. Sur une partition musicale, par exemple, une barre de mesure coupe régulièrement la portée sans interrompre le discours musical. Une route de campagne ou une autoroute est jalonnée de bornes kilométriques. Ni la musique, ni l'automobiliste ne s'arrêtent à chaque fois. Plus proche de nous, de nombreux auteurs ont travaillé à s'affranchir des règles de ponctuation éditoriale, censées faciliter la lecture des textes, pour atteindre à une sorte de renouveau du langage de l'acteur. Dépossédé de ses marqueurs syntaxiques, le texte se présente à nu. L'acteur doit donc recomposer le sens de chaque phrase, en redécouvrir la prosodie primaire. Ces textes offrent de formidables terrains de jeu pour l'artisan de la langue, puisque cette dernière se réinvente dans de nouvelles formes, de nouvelles structures, de nouvelles assonances ou dissonances, de nouvelles sonorités. Elle demande également un autre travail de respiration de la part de l'acteur. En support de cela, je vous joins dans l'annexe 2 trois textes. Le premier est un extrait de la pièce de théâtre « Chambre », écrite par Philippe Mignana. Le deuxième, un extrait de « Vous qui habitez le temps » de Valère Novarina. Enfin, en troisième, un extrait du poème « La voie lactée » de Gerasim Luca. Amusez-vous à parler à haute voix ces textes, d'abord tranquillement. Vous vous apercevrez rapidement qu'ils ne peuvent se soumettre entièrement à la ponctuation typographique. Chez Mignana, il n'y en a pas. Dans les autres extraits, elle n'est qu'indicative. C'est à l'interprète de créer son propre rapport respiratoire et organique à ces textes, tout en veillant évidemment à rendre son énoncé clair pour l'auditeur. Revenons à nos textes versifiés qui, eux, obéissent à des règles plus encadrantes. Reprenons notre bonne vieille fable du corbeau et du renard que, cette fois-ci, je vous joins en annexe 3 dans sa pagination et sa typographie d'origine, c'est-à-dire que je l'ai recopiée telle qu'elle a été écrite. L'une des particularités des fables de La Fontaine, c'est qu'il s'amuse avec les différentes métriques des vers. La Fontaine, dans cette fable, utilise aussi bien des alexandrins, 12 syllabes, que des décasyllabes, 10 syllabes, ou des octosyllabes, 8 syllabes. Il y a même un heptasyllabe, 7 syllabes. Pour connaître la métrique de chaque vers, il suffit de compter le nombre de syllabes. Maître corbeau sur un arbre perché, 10. Tenait dans son bec un fromage, 8. Maître renard par l'odeur alléché, 10. Lui tint à peu près ce langage, 8. Et ainsi de suite. À la fin, nous devrions avoir les métriques suivantes. Concernant Racine, il n'y a aucune ambiguïté puisque tout est écrit en alexandrin, 12 syllabes, même si certains vers peuvent être partagés sur deux répliques comme dans l'exemple suivant tiré de Bérénice. Il s'agit d'un seul et même vers réparti sur deux répliques de deux personnages. On en trouve un autre exemple dans L'école des femmes de Molière. «
un seul vers de 12 syllabes répartis sur 5 répliques que se partagent 3 personnages. Je fais une petite parenthèse pour donner un exemple de la liberté et de l'inventivité qu'a pris Victor Hugo, notamment, mais pas exclusivement, puisqu'il s'amuse avec les vers et fait parfois se mêler 2 phrases, voire plus, sur le même vers, ou fait même dépasser une phrase sur le vers suivant, comme dans l'exemple suivant tiré de la pièce Hernani. C'est l'une des raisons qui ont mené à la fameuse bataille d'Hernani. Hugo joue avec les règles classiques pour faire sonner la langue de façon différente, apporter de nouvelles sonorités et surtout amener les acteurs à respirer le texte de façon nouvelle et, pour certains de l'époque, de façon transgressive. Nous sommes au XIXe siècle. Les auteurs qui ont suivi, et jusqu'à nos jours, continuent de modeler la langue. Les exemples ne manquent pas. Relisez Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, par exemple. Ou prenez tout simplement les exemples que je vous ai transmis précédemment. Mignana, Novarina ou Garasim Luka, pour ne citer qu'eux. Revenons à notre fable. Maintenant que nous avons étudié la métrique de chaque vers, travaillons sur chacun d'eux. Nous avons déjà commencé à phraser les 4 premiers. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Nous avons phrasé ces 4 premiers vers en suivant les premières règles dont j'ai parlé dans la vidéo numéro 3. En suivant ce phrasé obligé, nous pouvons déduire une métrique particulière à chacun de ces vers. Maître Corbeau, sur un arbre perché, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, tenait en son bec un fromage. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maître Renard, par l'odeur alléchée, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, lui tint à peu près ce langage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez donc que sur ces 4 premiers vers, qui sont 2 décasyllabes et 2 octosyllabes alternés, nous avons une métrique qui n'est pas du tout régulière. Et c'est justement cela qui est intéressant, puisqu'elle va nous éviter de tomber dans un phrasé, et donc une respiration, identique ou parfaitement symétrique. Nous éviterons donc le ronron, cette façon de dire les vers de façon académique ou scolaire. Surtout, nous allons entrer dans une respiration particulière qui sera celle de l'écriture. Ayez le texte sous les yeux et continuons vers par vers. J'avancerai rapidement sur l'explication de la prosodie pour que nous arrivions au bout. « Eh bonjour, monsieur du Corbeau !» Deux syntagmes. « Eh bonjour, 1, 2, 3, monsieur du Corbeau, 1, 2, 3, 4, 5. » « Que vous êtes joli, que vous me semblez beau. » Deux syntagmes également, syntagmes verbaux. 6 et 6. « Que vous êtes joli. » 1, 2, 3, 4, 5, 6. « Que vous me semblez beau. » 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alexandrin divisé à l'hémistiche. 6 et 6. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage. Sans mentir est un syntagme indépendant. 1, 2, 3. Sans mentir. Ce qui suit est une phrase entière, c'est la même pensée. Si votre ramage se rapporte à votre plumage. La fontaine l'a fait déborder sur le vers suivant. Il s'agit de ce que l'on appelle l'enjambement. Si votre ramage, 1, 2, 3, 4, 5, se rapporte à votre plumage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous aurons donc, sans mentir, 1, 2, 3, si votre ramage, 1, 2, 3, 4, 5, se rapporte à votre plumage, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Il n'est besoin d'aucune césure. Le vers se prononcera d'un seul tenant en 12 syllabes. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. 3 syntagmes. À ces mots, 1, 2, 3. Le corbeau, sujet qui est avant d'agir, 1, 2, 3 également, ne se sent pas de joie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et pour montrer sa belle voix, aucune césure nécessaire. Un seul syntagme en 8. Il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. 2 syntagmes verbaux. Il ouvre un large bec, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et laisse tomber sa proie, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le « et » étant sous-entendu, mais n'étant pas écrit, la phrase est donc divisée en 2 syntagmes. Ce sera à l'interprète de faire entendre le « et » non écrit, et surtout l'apodose qui clôture ce mouvement. Reprenons un tout petit peu plus haut. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Continuons. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur », 3 syntagmes. Le renard est sujet, 1, 2, 3. S'en saisit et dit est l'action, 1, 2, 3, 4, 5.
Mon bon monsieur, début de la parole du renard. 1, 2, 3, 4. Nous aurons donc 3, 5, 4. Apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Deux vers, une seule pensée, un seul syntagme verbal. 7 plus 10, heptasyllabes et décasyllabes. Apprenez que tout flatteur, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vit aux dépens de celui qui l'écoute. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Cette leçon, sujet, 1, 2, 3, 4, césure, le sujet est avant d'agir, vaut bien un fromage sans doute. Syntagme verbal en 8. Le corbeau, honteux et confus, deux syntagmes, le corbeau, 1, 2, 3, et honteux et confus, 1, 2, 3, 4, 5. Car honteux et confus précise l'état du corbeau. Le corbeau qui était honteux et confus, c'est la même configuration que sur un arbre perché. Qui était perché sur un arbre. Nous aurons donc le corbeau, honteux et confus. Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Jura, 1, 2, mais un peu tard, autre syntagme en incise qui précise l'idée, 1, 2, 3, 4, qu'on ne l'y prendrait plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il jura qu'on ne l'y prendrait plus, mais il le jura un peu tard. Jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. J'ai conscience d'être allé très vite et que donc vous n'avez peut-être pas compris tout à fait toutes les raisons qui justifient ce phrasé obligé. Je vous rappelle que tous vos questionnements trouveront des réponses en pratiquant et que pour l'instant, à l'étape où nous en sommes, le principal est que vous compreniez le principe général de ce travail. Arrivé à ce stade, nous avons donc le décompte de syllabes suivant. Si vous observez bien ces chiffres, vous vous apercevez qu'il n'y a que très peu de régularité dans cette succession. Je l'ai déjà dit, c'est cette irrégularité-là qui est intéressante, car c'est une organicité propre à cette fable, liée à son écriture, à sa forme propre. Vous pouvez faire ce travail sur toutes les fables de La Fontaine, aucune ne se ressemblera, bien qu'elle soit construite avec des vers qui ont des métriques identiques. Vous pouvez faire l'exercice sur n'importe quel texte. Appliquez-le à Racine, par exemple. Tous les vers sont des alexandrins. Ils ont tous 12 syllabes, mais chaque vers aura son décompte particulier. Bien sûr, certains auront le même de décompte, mais comme en musique, la note Do reste et sera toujours la note Do. Par contre, elle sonnera différemment si elle est précédée ou suivie d'un Fa dièse ou d'un La bémol, si le Do est une demi-croche ou une ronde, s'il y a eu un silence avant ou une succession d'autres notes. Maintenant, écoutez bien. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. J'ai tenté de dire cette fable dans sa prosodie, dans son rythme à elle. À aucun moment, à cette étape, je n'essaie d'interpréter quelque chose. Je n'essaie de mettre de moi, de me mettre moi en avant. J'essaie simplement de me glisser dans l'écriture et de comprendre comment c'est construit et comment, déjà, je dois le dire avant de passer à l'étape suivante qui sera celle de l'interprétation. J'essaie aussi de prendre du plaisir à comprendre et retranscrire oralement cette forme. À partir de là, je ferai des choix stylistiques, artistiques, qui mettront, je l'espère, la fable en valeur et qui pourront éventuellement refléter mon parti pris, ma pensée, ma sensibilité sur ce texte. Mais avant toute chose, j'essaie déjà de comprendre ce que j'ai devant moi. Vous l'aurez compris, il y a d'abord de la technique, de la diction, puis de l'expression. Il y aurait encore tellement de choses à voir à partir de maintenant. Malheureusement, l'exercice de la vidéo a ses limites et il y a encore pas mal de principes que je réserve pour nos séances réelles. Nous n'aurons donc pas abordé la notion de E muet, aussi appelée voyelle blanche, les notions de diérèse et de synérèse, les liaisons, le phrasé vectoriel et l'accent tonique, les prononciations, notamment la différence entre les « et » et les « est »
qui pose tant de problèmes et que vous avez malheureusement tendance à supprimer. Les rimes, les forces de diction, la règle qui régit la prononciation des H et leur liaison avec les S, par exemple, le redoublement des consonnes, le hiatus, etc. Mais rassurez-vous, nous verrons tout cela très prochainement, je l'espère. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt.